C'est un rêve. Adrien, j'y vais. Ne m'attends pas ce soir. Je veux m'endormir dans l'éternité et me réveiller le jour où tu me rejoindras. Je vais aider ta conscience à revenir à elle. Anna. Lâche-moi, ne me touche pas! Vous ne pouvez pas ignorer que ta femme appartenait à une secte. Tu te diriges vers... Le cercle du Phénix. Une secte spirituelle. Rejoins-nous. Ouvre les yeux. J'ai tué mon père. Mais où on est là? Et vous êtes qui? Niklaus. Disons que je suis ton ange gardien. Je veux dire, Anna, elle est rentrée dans une secte. Quoi? Le docteur Alain Chevalier. Lui aussi a disparu sans laisser d'adresse. Je le cherche. Les insectes m'apprennent beaucoup plus sur la nature du monde. Et qu'as-tu appris ? L'éphémère, la légèreté. De plusieurs victimes. On a retrouvé des balles de 22 de leur rifle et du poison dans leurs analyses de sang. Deux mineurs ont disparu dans des expériences paranormales. Et faute de soins, un troisième enfant se trouve actuellement dans un hôpital entre la vie et la mort. Il va falloir qu'on en parle, ça c'est certain. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Si ! Photos. Les parents étaient consentants. Et ils m'ont signé une décharge. La décharge. Bien sûr. En attendant, trois enfants sont morts. Trois. C'est ton autisme qui a tué ta femme et ta fille. Rose. Ton père t'aime, tu sais. J'aurais été papillon. Papa m'aurait beaucoup aimé. Pourquoi t'obstines-tu à demeurer parmi les hommes? Aucun d'eux ne sauvera le monde